Jodie, ça va ? Stan, mon amour. Oh, Jodie, arrête, c'est pas drôle. Ça fait tellement longtemps, Stan. 4 longues années. Nancy. Nancy, c'est... C'est bien toi ? C'est bien moi, mon amour. Je ne suis pas partie. Je suis restée près de toi tout ce temps. C'est pas vrai. Ça me brise le cœur de te voir aussi seule, aussi désespérée. C'est dur, Nancy. C'est trop dur. Je me sens tellement vide sans toi, mon amour. Tellement vide. Arrête de vivre dans le passé, Stan. Rien ne changera ce qu'on a vécu tous les deux. Mais maintenant, tu dois reprendre ta vie. Trouver du travail, tomber amoureux et réapprendre à vivre. Pour moi, Stan. Fais-le pour moi. Qu'est-ce que tu me manques ? T'imagines pas à quel point tu me manques ? Tuesday? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance! Il nous faut carrément un hôpital! Non! Non! Non, pas l'hôpital! Ah! Ils vont prendre mon bébé! Non! Personne ne prendra mon bébé! Réfléchis une seconde, ma fille! Mais on n'a rien ici! On n'a pas de couverture, d'eau chaude! On n'a que dalle! Mon bébé! Non, je veux pas que mon bébé meure. Attends, calme-toi. On va trouver un truc. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Bah, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Jodie, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi, tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu connais un docteur? Non. De toute façon, on n'a pas d'argent pour s'en payer un. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je veux que ce bébé ait une chance, même une toute petite chance de s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects comme tous les autres êtres humains. Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Ok, c'est quoi ton plan? J'en ai pas. Mais on va bien trouver, allez! C'est clair, vas-y, je vais faire une diversion. Et toi, tu fais des courses. Pour le bébé. Opération sauvetage de bébé. Ok, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ça s'ouvre, ça. Faut juste qu'on entre. Oh, bordel! Il y a bien un moyen. Il y a forcément un moyen. Ouais, je m'en occupe. Hein? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance.
sûrement un interrupteur pour la porte de sécurité. On a oublié un truc. Tiens. Ok, l'alarme est éteinte. Ça nous évitera des problèmes. Merde, comment t'as fait ça? Pas le temps de t'expliquer. Allez, on prend ce qu'il nous faut et on se tire. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ok, viens, on fout le camp. Allez. Ah, vous voilà. Venez vite. Elle a perdu les os. Vous êtes entré dans l'immeuble dont j'avais parlé? Ouais, t'arrêtes avec elle. Dépêchez-vous, faut y aller. C'est quoi faire? Sortez! Sortez tous! Sauf toi, Jody! Ah, je veux que Jody! C'est pas de bol! tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça avant. Oh, je sais, moi non plus, mais je tenais pas à ce que les mecs restent plantés là à me regarder pendant que moi je suis en train de crever de douleur! Ok. Ok, t'en fais pas. On va s'en sortir. Ça doit pas être si compliqué. Merci. Couverture et ciseaux. Je vais recouvrir ce vieux matelas. Ok, laisse-moi t'aider à enlever ça. Regardez pas les enfants. Accroche-toi. Ok, tu peux le faire. Poussez. Allez, pousse. Tu y es presque, ok? Déjà. Respire, ok? Respire, tu sais. Continue de respirer. Inspire et expire. Inspire et expire. Mais je respire. Tu pousses. Mais je fais que ça, putain! Tu t'en sors bien, ok? Tu t'en sors très bien. Allez, je le vois! Je vois sa tête! Je vois sa tête! Allez, pousse! Allez, envoie le missile.
rester. Ah, c'est bien fait. Bon, faut couper le cordon. Salut, bébé. Je vais chercher les autres. Waouh! Elle est tellement... Elle est minuscule! C'est une fille. Je l'ai appelée Zoé. Merde alors! Elle est vraiment super belle! Hey, surveille ton langage, Walter. Elle comprend tout ce que tu dis. Et puis c'est grâce à moi, t'as vu? Non, elle est plus que belle. Elle est magnifique. Je serais pas arrivée sans vous, les gars. Et sans Jody. C'est des nouveaux copains, Jody. T'es un miracle, Jody. Notre. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Oula. Oula, oula, oula. Walter est à cet étage. Jimmy, Tuesday et Zoé sont au-dessus. Ok, sors d'ici, je vais les chercher. Non, j'y vais avec toi. Non, non, j'y vais seul. Ben. Je t'ai dit de sortir d'ici. On doit les sauver avant que tout l'immeuble soit détruit. Aidez-moi!
Soigne-toi, bordel. Je peux pas le faire. Mais si. Je peux pas le faire. Mais si. Allez, saute. S'il peut pas bouger, on va devoir le forcer à bouger. Allez, on sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dès que je touche un autre humain. Allez! Le bébé! Dégage! Je dois récupérer le bébé! À côté! J'y vais, t'inquiète. Oh merde! Il doit y avoir un autre chemin! Sauter. Vas-y, saute là. Putain, faut pas que je monte quand même. C'est pas une bonne idée de monter, à moins qu'elle puisse rejoindre un autre toit. C'est clair.
J'en reviens pas, t'es vivant. Super héros. Oh. Je sais pas du tout comment t'as fait ça. T'inquiète. Mais c'était incroyable. Zoé. Comment va Zoé? Elle va bien. Mais comment l'incendie a démarré? Oh putain, les branleurs. Non, si. C'est dingue, hein, les gars. L'essence, un briquet, les rats qui toussent le navire. Je déteste les fins joyeuses. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait plus tard. Putain, Aiden. Laissez-la tranquille. Calmez-vous, les cafards. Tu joues moins les héroïnes, hein? Oh putain! Non! Non! T'as eu ça, Ed? Ouais, mec, c'est dans la boîte. Ok, allez, on se taille. Salaud! C'est pas vrai. De l'oxygène. Il faut de l'oxygène. Non. Merde. Meurs. On va la faire. Meurs pas. Je dis non. Pas comme ça. Je ne laisse pas, je dis. S'il te plaît, ne laisse pas. Putain. Ça là. Putain, bestiole quoi. Voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien. Ok, on va te mettre ça, ça. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Je t'ai dit non, inutile d'assister. Tu ne feras pas changer la vie de l'air. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme ça. On doit être en cova, je pense. Même une toute petite chose va s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il y ait des choses et qu'il y ait des couches, un biberon et des vêtements corrects comme... Je suis morte. Une petite vibration dans la manette. Je ne sais pas plus que vous. Ok. D'accord. Faut que je m'approche. C'est moi qui approche. Non, attendez, c'est sa mère. Non, mon enfant, je vais la voir, juste une fois. Mais, c'est ma petite fille, ramenez-la. J'ai changé d'avis, je veux mon bébé. Assez vite, faites sortir le bébé d'ici. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, laissez-moi la voir. C'était qui, cette femme? C'était ta mort. Pourquoi est-ce que tu me montres ça? C'est ma mère? Yeah.
m'admire, ça. Aiden ? C'est moi qui c'est juste la vue. Sûr que je tienne debout. Je peux pas te soigner. Il a fêté ses 3 mois aujourd'hui. Je lui parle souvent de toi, pour qu'elle sache ce que tu as fait pour elle. Oh, j'ai recommencé à utiliser mon vrai prénom. C'est Elisa. S'en fait croiser le soir où ils ont mis le feu à l'immeuble. Il y avait de l'essence sur leur fringue. Tu le crois, ça ? Arthur. C'est nous, tu veux dire ? C'est nous tous. Comme ça, on sera toujours ici. Sur le Black, il est gentil aussi. C'est pas la salle de bain, ouais, c'est le couloir. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir ? On est de la CIA. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez.
Ok. Vous pouvez la voir. Qu'elle est ? C'est bizarre, c'est sa chambre, elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible, on est au cinquième, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte, cette fille ne doit pas s'échapper. Bah où qu'elle est ? Madame ? Est-ce que ça va ? Madame ? Bon, ça va encore mal se mettre. N'est-ce pas ici? C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Et ouais, c'est Aiden qui la protège. Toutes les affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Judy. Un endroit pour me changer. Faut que je me barre. J'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi. Pas brosser les dents. Brosse pas les dents. Bonne douche.
aller se coucher, Jody. Si je veux regarder la télé, moi. Je m'en fous, j'ai ma tablette. Allez, viens, monsieur Lapignon. On va voir où on va dormir ce soir. Je pense qu'on va dormir là. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement. Il nous arrivera rien de mal. Quoi gauche, quoi droite. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Appelle un médecin, vite! C'est bon. Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant.
Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. M'aider, toi. T'es gentil, toi. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Et je veux quelque chose. Je vais sortir. C'est pas la coupe de cheveux. Mais je bleue, là. Pire que le Taz. Mon logo. Un petit peu la colère. Cool, ça va sortir, cool. Encore un samedi soir que je vais passer enfermé ici. Putain, tout ce que je veux, c'est sortir et m'amuser un peu. Je peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. Tu ferais mieux de m'ouvrir. Tu ferais mieux de m'ouvrir, parce que sinon, je vais arrêter de bosser en classe. Et tu pourras dire au revoir à tes expériences avec Aiden. Pour toujours. Ça suffit, Jodie. Tu te comportes comme une gosse. Je suis une gosse. Tiens. fucking blue boy. Tiens, un petit coup de guitare, en vrai. Guitare. C'est parti. Mets les watts. Vous seriez trop content. Je vais tout péter. Aiden ? Tu veux une colère ? Arrête un peu, Jodie. On va l'empêcher. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Mais là, je suis en colère, là. Ça suffit. Tout pété, Jodie. Ça ne t'apportera rien. Attends, j'ai plus grand. Tu as fini? T'es fier de ce que t'as fait? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout sous toi. Ah ouais? Non, je crois pas. Ça suffit, Aiden. Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Autre chose si ça fonctionne pas. Téléphone. Tu regardes. Oui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais. Vas-y, raccroche. Raccroche et je m'occupe de toi. Ok. D'accord, on se voit demain. Tout va bien.
Et là, ça va aller. Cette vidéo t'a plu? Alors regarde celle de nos autres partenaires Avex Official, NGP Killer 59, Test Killer 85, The Just Zombie, Toolion 37 et la Zombie Factory. Nous représentons la C2C, la communauté de chaîne, et nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, Respect Online. A bientôt!